Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une crème d'agrumes qui est destinée à une tarte. Allez, c'est parti. On va d'abord, bien sûr, commencer par faire les zestes. Alors là, on va récupérer un maximum de zestes. Voilà, ça, c'est pour les zestes de pamplemousse. Le citron vert, pareil, on récupère des zestes. Maintenant, mes oranges. Voilà, regardez un petit peu tout ce qu'on a récupéré. On va prendre un couteau. Donc maintenant, il me faut 10 centilitres de jus. Alors je commence par les plus acides, sinon je ne les ai pas, et je complète avec en dernier l'orange. Voilà, on va prendre déjà la mesure, comme je dois avoir 10 centilitres. On va mettre ici, dans notre casserole, le jus des agrumes. Évidemment, on va mettre tous nos zestes. Ensuite, on va mettre le lait, le sucre et les œufs. Alors certains diront, oulala, mais on va faire chauffer des œufs à 85 degrés. Oui, sauf que quand les œufs sont additionnés de sucre, le sucre les protège en fait. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque. Alors là, on va commencer à chauffer bien sûr, mais en douceur. Hein. De 1 à 10, moi je vais me mettre sur 6. Et là, je fouette sans arrêter surtout. Hein. Je prépare mon thermomètre à côté de moi. Donc ça commence à s'épaissir. On le sent au bout du fouet. Hein. Et là, maintenant, la mousse a disparu. Et on commence à avoir hein, une belle consistance. Donc on voit bien qu'à la texture ici, on est arrivé à 85 degrés. On va transvaser ça. On verse dans notre bol ici. Donc on va rajouter le beurre en émulsionnant avec le mixeur. Hop, je récupère tout mon appareil ici. On va mettre ça à refroidir. Donc d'ici 4-5 minutes, croyez-moi, ce sera froid. Notre appareil est maintenant refroidi. On va prendre une poche. On va verser notre crème d'agrumes. Donc on va ouvrir la poche ici et puis on va simplement dans notre assiette, regardez, et on va prendre notre fond de pâte brisée que j'ai mis à refroidir. Et regardez, tout simplement, on va le poser dessus, hop, et puis on va refaire dessus. La crème aux agrumes n'a plus de secret pour vous. Venez, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux de Martin Bonheur, Facebook et Instagram. Partagez vos recettes. En attendant, je vous souhaite une bonne dégustation et surtout, je vous souhaite un bon appétit. À bientôt.